Shabbat Shalom. Nice to see you all. It's always a privilege to come up here. Shabbat Shalom. Content de vous voir ce matin. C'est toujours un privilège de monter ici et voir en personne et partager la parole de Dieu avec vous. Il y a des développements qui se passent dans le monde. Vous savez, la semaine passée, on a parlé de que les États arabes unis veulent normaliser leurs relations avec Israël. Et la semaine dernière, Soudan, un autre pays musulman, ont montré leur intérêt d'avoir un traité de paix avec Israël. Donc, on voit que c'est une autre preuve que les prophéties sont en train de s'accomplir dans cette partie du monde. Et nous savons que Jésus va revenir sur un cheval blanc et à la fin de tout ça. Et donc, il va avoir une paix, un semblant de paix, en tout cas pour 3 ans et demi. Mais ça va être une fausse paix, un faux traité, et après ça, il va y avoir des guerres entre les nations du monde et quelque chose qui va ressembler à la Troisième Guerre mondiale. Et c'est très possible que ce qu'on voit aujourd'hui de ces traités de paix et de cette volonté de faire la paix sont en train de mettre tout en place pour que ces prophéties arrivent. Il y a 53 ans, hein, dans la conférence de Khartoum, dans laquelle le Soudan s'opposait à reconnaître l'État d'Israël, et on voit comment ça a changé. Aujourd'hui, ils sont prêts à faire un traité de paix avec eux. Les États-Unis s'attendent à ce que il y ait une normalisation des relations avec Israël. Mais l'Iran a toujours eu une façon assez agressive de voir Israël. Et on va voir pourquoi l'Arabie Saoudite est intéressée dans Israël. Une raison qui pourrait amener accélérer la construction d'un troisième temple. Il y a plusieurs sources qui nous ont été révélées dans le Jérusalem Post qu'ils aimeraient avoir la garde du mont sur Jérusalem, le temple qui est là, et ils seraient prêts à l'accepter. Comment ça se peut? C'est que, vous savez, l'Arabie Saoudite est déjà la garde du premier et le site le plus saint de l'islam. C'est la grande mosquée à la Mecque, qui est considérée comme le plus saint. Et le deuxième, c'est à Médina, où est-ce que la mosquée du prophète est située. Mais la troisième, la Al-Aqsa, la mosquée de Jérusalem, et apparemment ils ont les yeux sur cette mosquée pour s'en occuper, en avoir la garde. Donc, l'Arabie Saoudite a enlevé la garde de la Mecque qui était avant à la Jordanie, qui était des Hachémites. Donc, on voit que ils en ont déjà deux. Ils aimeraient bien avoir un troisième dans leur collection. Israël est bien conscient que l'Arabie Saoudite voudrait prendre cet endroit. Même en 1967, tout de suite après la guerre des six jours, le ministre de la Défense, Moshe Dayan, a parlé de la possibilité qu'il y ait un jour un drapeau dans la région du mont du Temple sur la montagne là-bas. En 2018, Isaac Herzog a parlé d'une possibilité et d'un rôle de l'Arabie Saoudite dans la ville de Jérusalem. Donc, on voit que tout est en train de se mettre en place avec ce qui a été prophétisé dans les Écritures, la venue de l'Antichrist, la Russie, l'Iran sont déjà prêts, sont déjà à la frontière d'Israël, sont prêts pour la guerre de Gog et Magog, comme a été prédit par Ézéchiel.
les Émirats arabes unis et possiblement, très possiblement, l'Arabie saoudite sont prêts de signer un traité de paix avec Israël. Ça doit être, comme on a vu la semaine dernière, Sheba et Dedan, les deux villes qui sont volontaires pour faire la paix avec Israël. Un traité de paix qui pourrait très bien amener la construction du troisième temple. Donc, on voit que tous ces pays-là sont en train de se placer. Ils ne sont pas conscients que Dieu est au courant de tout ça, contrôle tout ça, mais on voit qu'ils sont en train de se placer. Et ça nous donne les dernières années de ce côté de l'histoire de l'humanité. C'est ma prière que toute cette information nous amène à prier et à partager à des gens qui ne sont pas encore sauvés, afin qu'ils soient prêts lorsqu'ils vont revenir, ce qui est pour très bientôt. Bien avant, nous allons prier pour nos enfants. Si vous avez des enfants près de vous, emmenez-les près de vous. Priez avec eux, pour eux. Mettez vos mains sur eux et pour les encourager, et mettez-les près de vous et prions ensemble pour eux. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dieu, notre Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous élevons nos voix dans la louange vers toi, Seigneur, car toi seul es si merveilleux. Un peu comme la prière de Moïse que nous trouvons dans Deutéronome, nous prions que nos fils et nos filles marchent dans tes voies afin qu'ils te craignent et gardent ta parole et obéissent à ta voix. Qu'ils te servent et s'accrochent à toi afin d'être forts et courageux et sans peur. Car c'est toi, ô Dieu, notre Seigneur, qui les accompagne. Et comme Salomon a prié, afin que nos enfants marchent en obéissance devant toi, notre Dieu, avec intégrité de cœur et avec droiture. Afin que tu les protèges de tout mal et des mauvaises influences de ce monde, bénis-les et guide-les afin qu'ils découvrent les immenses richesses que nous avons en Jésus, notre Messie. Au nom de Jésus, notre Messie. Amen. Bien, ouvrons notre Bible dans le livre de l'Apocalypse et soyons bénis parce qu'il y a une promesse de bénédiction aux gens qui lisent et qui font, qui examinent avec une attention particulière aux choses écrites dans ce livre. Et ça va nous donner courage et espoir dans l'avenir, parce que Dieu déclare des choses qui vont arriver. Nous savons que Dieu, tout ce qu'il dit, arrive. Et nous allons voir dans seulement 4 versets ce matin, les fenêtres du ciel s'ouvrir pour nous. Une chose qu'on doit se rappeler, c'est l'auteur de ce livre et d'abord Jésus lui-même. Les premiers mots de ce livre sont la révélation de Jésus-Christ. Alors que Jésus n'a jamais écrit lui-même un livre, mais ici, même s'il a inspiré tous les mots de la Bible, ici, il nous est dit spécifiquement que cet écrit est sa révélation particulière pour nous. Parce que vous êtes déjà arrêté et vous êtes demandé qui est la personne de Jésus réellement pour vous. À qui pouvons-nous le comparer? Après tout, il est l'auteur de ce livre et avant de lire n'importe quel volume, n'importe quel livre, la première chose qu'on regarde souvent, c'est en arrière, ce que cette personne-là a fait, son passé, les raisons pourquoi il a écrit ce livre. Et on voit, quand on regarde ça, c'est que on voit que que ce qui arrive dans le premier chapitre, on arrive dans une nouvelle dimension où les lois de la nature ou les lois naturelles que nous connaissons ne tiennent pas nécessairement la route. Mais nous voyons que ce chapitre que nous allons voir, en fait, démontre ce que Jean 1:1 nous dit, que au début, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, en même temps, on peut se poser la question, comment peut-il être un et en même temps distinct? Mais dans ce livre d'Apocalypse que nous allons voir, nous allons voir que ce mystère se découvre devant nous. Donc, nous avons à regarder les premiers mots
pour comparer avec. Par exemple, Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin, au verset 8. Mais au verset 11, Jésus dit, lui aussi, qu'il est le début et la fin. Et plus tard, dans Apocalypse 21 et 22, il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc, quand on lit ça, c'est là qu'on voit qu'on est dans une autre dimension que le monde que nous connaissons habituellement. Et donc, on voit toutes les descriptions du Père que nous avons dans les Écritures à travers, surtout, trois grands prophètes, Daniel, Ésaïe et Ézéchiel. Et dans le livre d'Apocalypse, on voit des descriptions de Jésus qu'on n'a jamais vues ou entendues avant. Il est décrit comme quelqu'un que ses yeux sont comme une flamme de feu. Avez-vous déjà pensé à ça avant? On ne le voit pas dans d'autres livres comme ça. On voit aussi ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et il est tellement pur et saint qu'on voit que sa tête et ses cheveux sont blancs comme de la neige ou de la laine blanche, pardon. Nous sommes tellement chanceux d'avoir cet aperçu du divin. On va aller voir comment le Saint-Esprit nous décrit cette partie bien importante de ce livre. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, devant la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ici, on a Dieu le Père, le Saint-Esprit et le Messie. Dans chacun, est décrit différemment. Premièrement, on voit celui qui est, qui était et qui vient. Ensuite, on voit les sept esprits. Les sept esprits, le chiffre 7, montre l'omniscience du Saint-Esprit, qu'il est partout, qu'il est conscient de tout. Et ensuite, dans le verset, on voit aussi « et Jésus-Christ ». Jésus, le Messie, qui est Jésus. Donc, on voit dans les trois personnes, les versets s'adressent aux sept églises. Donc, ce qui représente tous les croyants. Et c'est pour ça que l'Esprit vient, fait que Jésus est mort et Jésus est revenu pour nous dire qu'il nous a lavés de nos péchés, pardon, par son sang. Donc, on voit dans Ésaïe aussi qu'il nous parle, qu'il nous dit que le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Donc, on voit Jésus ici dans ce texte. Oubliez pas que les gens qui écoutaient Jean à ce moment-là, c'était des Juifs. Il y avait, à ce moment-là, les Juifs faisaient partie intégrante de l'Église. Au début de l'Église, il n'y avait que des Juifs. Donc, on voit que dans ces descriptions, Jean, le Saint-Esprit se sert de Jean et de ce que les gens connaissent pour leur montrer qui il est. Et on voit beaucoup de parallèles avec le livre de l'Exode. Je crois que c'était dans les mêmes termes qu'on décrivait Dieu souvent. Quand Dieu a demandé à Dieu, mais quand ils vont me demander ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Vous savez, quand Moïse a rencontré Dieu au buisson ardent. Alors, Exode 3, 13. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » À partir de ce verset, plusieurs rabbins sont venus avec la même conclusion que Jean. L'apôtre Jean est arrivé. On voit dans les Midrash Rabbah, un commentaire sur la Torah, ils ont commenté ceci. « Dis-leur que je suis maintenant ce que j'ai toujours été et que je serai toujours. À cause de cela, il est dit le mot « Eyehe » trois fois, qui est le mot « Je suis ». Le mot « Je suis »
et s'écrit Eyehe. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commenté, voyez-vous comment ils sont arrivés à la même conclusion que Jean. Qu'il est maintenant, qu'il a toujours été, qu'il sera toujours. Donc, on voit que ça décrit celui qu'il est. Et la manière que c'est écrit, on voit que c'est un présent comme continuel, comme dans « je suis ». Mais on voit que ça aussi comprend l'éternité ou différentes périodes de temps. Parce qu'il dit « maintenant tout le monde va voir que je suis celui qui est, qui existe ». Et celui qui est toujours en mouvement, qui n'est jamais statique. Dans le Deutéronome 32-39a, le Targum de Jérusalem nous explique ceci. Eux autres, ils appelaient le Memra du Seigneur, l'Esprit du Seigneur. Quand le Memra du Seigneur se révélera lui-même à son peuple, il dira à toutes les nations, « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. » et qu'il n'y a pas de Dieu près de moi. Je fais vivre, je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Le mot « memra », c'est le mot araméen pour c'est le mot araméen pour le mot qu'on dit souvent « logos ». Donc, on voit que le Targum, comme Jean, ont lié le « memra » avec la révélation de Dieu qui est, qui était, et qui est celui qui vient. Et on voit aussi la présence du Saint-Esprit, mais comment ça se fait que l'Esprit ici est décrit comme les sept esprits qui sont devant son trône? Le Saint-Esprit n'est pas seulement en train d'être avec les croyants, il est dans les croyants par la foi. La Bible nous dit que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Et on voit l'Église ici, on parle de sept églises. Le chiffre 7 est très important. Le chiffre 7 montre une plénitude, une totalité. Donc, on voit que dans ces sept églises, il y a sept chandeliers ou des menorahs qu'on appelle aussi. Donc, c'est sept différentes églises. Et c'est Jésus l'explique, il dit que les sept chandeliers sont sept églises. Donc, c'est une autre connexion avec l'action de l'Esprit Saint dans le croyant. Comment le Saint-Esprit peut bénir chaque croyant? Je crois que c'est à travers le prophète Ésaïe que nous allons voir un merveilleux texte qui nous parle de toutes ces bénédictions et de qui. Et ça nous parle de la bénédiction lorsque Dieu amènera cette période de temps où il y aura la paix sur la terre. Ésaïe 11, 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esprit de sagesse, en hébreu, c'est le mot chokhma, qui est la capacité de comprendre, et donc l'Esprit nous fournit la compréhension pour voir cette connaissance et d'avoir en nous la connaissance de ces choses. L'esprit d'intelligence, en hébreu, c'est le mot bina, ça veut dire avoir du discernement. Être allumé, ça implique d'avoir de répondre au Seigneur, d'obéir au Seigneur. L'esprit de conseil, le mot est reza, qui veut dire aviser, conseiller, d'avoir une relation proche avec Dieu et d'avoir une marche sainte pour recevoir les conseils de son esprit. Dans Ésaïe 9, quelques chapitres avant, le Messie est appelé le conseiller. Donc, et le Messie, Jésus, et l'Esprit sont des conseillers, des réconforts aussi. Esprit de force, esprit de puissance, c'est le même mot qu'on voit dans El Gibor, qui veut dire Dieu puissant, dans Ésaïe 9, encore une fois. Encore le Messie
et l'esprit sont un encore ici. Esprit de connaissance, c'est du mot hébreu yada. L'esprit de Dieu est prêt à nous donner cette connaissance et de nous donner tout ce que nous pouvons contenir, mais cela est donné par une marche à proximité de Dieu, avec obéissance. Un esprit de crainte de l'Éternel. L'esprit révèle à nous une crainte, une révérence de Dieu. Mais quand on compte comme il faut, il y en a qui disent qu'il y en a juste 6. Et c'est là qu'on voit la beauté de ce verset aussi. C'est au début du verset lui-même. C'est l'Esprit de l'Éternel qui est le 7e. Et on voit sur l'écran ici l'image. Donc c'est d'abord l'Esprit de Dieu qui est là. Et l'Esprit de Dieu est déjà en train de, pardon, j'ai un problème avec le son ici. Donc on voit dans le texte que nous avons vu, le 7e esprit, c'est l'Esprit de l'Éternel qui est déjà dans les croyants. Donc Jésus est cet esprit-là aussi, donc ce qui fait un total de 7. Et on voit une connexion ailleurs dans le texte de Zacharie 4:2, où on voit un chandelier d'or surmonté de 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Donc, on voit la connexion entre l'Esprit de Dieu et chaque croyant. C'est ce que nous voyons dans ce texte-là. Quand on a étudié le livre de Zacharie, on a vu que de ce chandelier coulait de l'or, qui était aussi de l'huile et qui représente finalement ce que Dieu donne, la bénédiction. Et on voit les sept, dans le chandelier, il y avait un vase portant 7 lampes avec 7 conduits qui sont au chemin. Donc 7 × 7 fait un chiffre total de 49, ce qui fait quelque chose de parfait. Le chiffre 7 en hébreu, c'est le chiffre Sheva, de la racine Sava, qui veut dire être complètement satisfait, d'être rempli, et qui nous montre aussi une image de quelque chose d'entier, sans aucune imperfection. Et on voit aussi le nombre 3, comme le chiffre 7, il est mentionné 3 fois. 3 est aussi le nombre de la plénitude, mais avec une touche de Dieu, parce que c'est le chiffre de Dieu de la Trinité. Et quand on voit ces deux chiffres ensemble, c'est un tout complètement parfait. Donc, on va voir plus tard dans les textes des guerres et des choses terribles, mais rappelons-nous que Dieu est toujours présent. Donc, l'Esprit de Dieu dans notre vie est très présent. On a tendance à l'oublier, mais il est toujours là. Et comment le comprendre? Comment vivre sans l'Esprit? C'est impossible. Il y a un monsieur, Moody, un évangéliste bien connu, qui a dit, c'est comme essayer, vivre sans l'Esprit, c'est comme essayer d'écouter sans oreille ou de respirer sans poumon. Ainsi est la vie d'un croyant qui essaye de vivre sans la vie de l'Esprit dans sa vie. C'est impossible, parce qu'il fait partie de nous. On ne peut pas vivre sans lui. Il est appelé aussi l'Esprit de Dieu qui est un. Ensuite, on a une description au verset 5 de Jésus dans toutes ses fonctions, en commençant au verset 5. Jusqu'à la fin du chapitre. Nous lisons verset 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre,
à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Où voyons-nous la plénitude des fonctions de Jésus dans ce texte? Premièrement, il est le témoin fidèle, ou le témoin véritable. On pourrait dire aussi qu'il est le martyr véritable, parce que le mot témoin veut dire martyr. On l'a vu la semaine dernière, c'est le témoin fidèle, parce qu'il a proclamé la parole de Dieu. Il a été assassiné, il a été tué, comme tous les prophètes de l'Ancien Testament qui venaient annoncer les prophéties, qui venaient annoncer la parole de Dieu, que Dieu leur annonçait. Mais ils ne voulaient pas entendre et ils les ont tués. Et de la même façon, ils ont tué Jésus. Et Jésus leur a dit, qui a tué tous les prophètes? Ce sont les chefs religieux et civils, les autorités civiles aussi. Ensuite, il nous a dit qu'il est le premier-né d'entre les morts, car le Messie est le fils de David, le premier qui ressuscite et le premier-né d'entre les morts. Et aussi, ceux qui sont croyants vont suivre Jésus pour la vie éternelle, comme dit Daniel 12, verset 2. Verset 5, il nous dit aussi qu'il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc, on parle aussi des premiers-nés, ce qui nous ramène exactement au livre de l'Exode, où il y a eu, quand l'ange de la mort a passé, les gens qui avaient mis le sang d'un agneau sur les linteaux de leur porte, sur les tours de leur porte, n'ont été épargnés. Donc, on voit le lien ici avec Exode. Et toute cette idée du premier-né d'entre les morts, et pour aussi annoncer que tous ceux qui sont morts en lui vivront éternellement en lui. Donc, on voit que cette idée du premier-né est à travers toutes les Écritures, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, cette idée est très importante. Parce que tout premier-né était supposé être donné à Dieu. C'est ce que Dieu dit à tellement d'endroits dans sa loi. Même les sacrificateurs, nous voyons dans Nombre 3, versets 12 et 13, Dieu dit, « Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. » Donc, ça nous fait penser au texte d'Apocalypse 1:5, où il nous est dit, le premier-né d'entre les morts, qui est lié avec le sang de l'agneau, celui qui nous a lavé dans le sang de l'agneau de nos péchés. Donc, on voit, tout ce verset va ensemble. Et qu'est-ce qui est la raison primordiale que Dieu a fait ça? L'amour. Son amour pour nous. Et c'est ce qu'on voit dans ce qui a été annoncé aux sept églises. Donc, c'est pas parce qu'on méritait quelque chose de bien que Dieu dit, oh, je dois sauver cette personne. Non. Sa purification dans son salut est entièrement un acte d'amour et non d'aucun mérite de notre part. Dieu a dit à Moïse dans Deutéronome 7:7, il leur a dit, ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, mais parce que vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Donc, on voit la raison, encore une fois, de tout ça, c'est que Dieu nous aime. Des fois, on se demande si vraiment Dieu est présent, s'il nous aime. Je vous donne une image, la vie d'un croyant, c'est comme un peu une horloge, vous savez. C'est comme si les aiguilles sont les mains de Dieu,
Il y a la petite main, la petite aiguille de la discipline, et il y a la grande aiguille de la grâce et de l'amour et tout ça. Donc, on voit que la grande aiguille, à chaque fois, passe beaucoup plus souvent que la petite aiguille. C'est une image pour montrer que Dieu nous bénit, on pourrait dire 12 fois plus qu'il nous châtie ou il nous montre des choses à changer dans notre vie. Donc on voit la main de miséricorde du Seigneur et comment nous avons des bénédictions en grand nombre. La troisième déclaration du travail de Jésus, on le voit dans les mots où il est dit qu'il est le prince des rois de la terre. Ça, c'est sa fonction de roi des rois. On voit dans le chapitre 19-16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc on voit, dans le texte qu'on a vu jusqu'à présent, on a vu Dieu le Père, l'Esprit et le Fils. Bien défini pour nous, pour nous montrer qu'un jour, on va être avec les trois, et nous verrons à ce moment-là un seul et même Dieu errable qui est ensemble. Et on voit la fin de la description, verset 6, « Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui sa la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Il y a plusieurs traductions qui ont « Il a fait de nous un royaume », il y en a qui traduisent « Il a fait de nous des rois ». Est-ce que c'est roi ou royaume? Moi, je préfère pour le moment le lire comme un royaume, pour le moment. Oui, la parole nous dit que nous serons co-héritiers avec Jésus, mais ça peut aussi être traduit comme roi. Mais on n'est pas encore des rois, nous sommes des sacrificateurs. Ça, c'est certain que nous le sommes maintenant. Des rois, nous serons sûrement plus tard. On ne peut pas juste s'asseoir sur notre petit siège de gloire sans courir la course, sans faire notre fonction de sacrificateur sur cette terre et de prier pour les autres et de mourir à nous-mêmes. Quand nous ferons ça, alors nous serons vraiment plus près de Dieu et toutes ces bénédictions s'appliqueront à notre vie. Quand Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde, c'est toute l'idée de sacrificateur qui est dans ces mots-là. Israël était censé être la lumière pour les gentils, pour les nations. Présentement, il y a un voile temporaire sur la nation. Nous sommes présentement ceux qui sont des sacrificateurs et des lumières dans ce monde maintenant, dans cette partie du plan de Dieu. Donc, ça a eu un gros impact dans le premier siècle, ces textes-là, parce que le concept de la sacrificature était très fort à ce moment-là. Et plusieurs ont compris que Israël était appelé à être une nation de sacrificateurs pour les gentils, pour les nations. Mais ça a mal tourné pour eux. Aux pharisiens qui étaient supposés être les évangélistes de ce moment-là, Jésus leur a dit, Matthieu 23, 15, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. » Eux, ils pensaient qu'ils représentaient la nation de sacrificateurs envers les gentils et envers même leur propre peuple. Donc, malheureusement, ils ne sont pas nécessairement en train de croire ce qu'il y a dans la Bible. Mais un prosélyte, par définition, c'est quelqu'un qui recrute quelqu'un à se joindre à un parti, une institution ou une religion. Donc, eux, ils pensaient qu'ils étaient les sacrificateurs d'Israël. Comme, par exemple, il y a eu un mouvement qui s'appelait les Essènes. Dans les manuscrits de la Mer Morte, là, il y avait une partie
de secte religieuse qui s'appelait les Essènes. Et ils cherchaient vraiment à trouver le Messie. Ils cherchaient à être les prêtres ou les sacrificateurs d'Israël. Ils attendaient le Messie. Et ils l'appelaient même celui qui va nous enseigner la justice et la vérité. Dans un passage des manuscrits de la Mer Morte, ils ont trouvé un texte de Habacuc 2:3 qui est dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Pour le croyant aujourd'hui, le verset 6 met la barre très haute pour nous, parce que et je crois que ce texte-là est une doxologie qu'on appelle une prière vers Dieu, une prière réservée à Dieu. Le texte dit « À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Voilà, ce texte s'adresse à Jésus, au Saint-Esprit et à Dieu le Père. Ils sont l'unité dans la divinité. Donc, on voit que Dieu est très généreux. On va voir verset 7, qui lit encore plus loin les Écritures avec les mots du Seigneur Jésus dans les Évangiles. Verset 7 dit « Voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Ce verset nous amène à travers les prophéties de Daniel, Zacharie et de Jésus lui-même. Le texte qui dit qu'il vient avec les nuées, et c'est une citation de Daniel 7:13. Voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit s'approcher de lui. Donc, Jésus lui-même a, durant qu'il a été arrêté et tout ça, il a cité ce texte-là. Il a dit, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel, Matthieu 26:64. Et c'est pourquoi qu'au verset 65, le souverain sacrificateur qui l'a entendu, il a dit, il a blasphémé, parce qu'ils avaient bien compris que ce titre, le Fils de l'homme, représentait le Messie. Donc, ils ont bien compris ça. Mais le problème, c'est qu'ils ne voulaient pas l'appliquer à Jésus qui était devant eux. Mais ils croyaient que le Fils de l'homme était une représentation de Dieu lui-même, le Messie. Donc, on voit. Et quand il dit « Celui qu'ils ont percé, ils tourneront le regard vers moi. » Et ensuite, il parle de « Celui qu'ils ont percé. » Celui qu'ils ont percé, c'est Jésus. Ils tourneront le regard vers moi. C'est Dieu lui-même, dans le texte que nous avons déjà vu dans Zacharie 12:10. Et on voit ici, ça ressemble à toutes les tribus de la terre pleureront à cause de lui. Ça nous fait penser les tribus de la terre, qui est le mot en grec « philé », qui fait penser au texte quand Dieu dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies, mais c'est vraiment le mot tribu qui est là. Donc nous voyons la bénédiction de voir Jésus et de se repentir pour nos péchés et d'arriver à une connaissance de Dieu qui nous apporte le salut. Voyez-vous que jusqu'à maintenant, on a juste regardé 4 versets et combien de fois on a fait référence aux Écritures de l'Ancien Testament, tellement de fois. Voyez comment ce livre est vraiment enraciné dans la pensée juive. Il y a un monsieur Bullinger, qui était un commentateur écossais, qui était un bon ami de Herzl, qui a aidé à la nation d'Israël de naître en 1948. Vers la fin des années 1800, Bullinger a dit qu'il y avait le livre Apocalypse, c'était tellement un livre juif qu'il a fait des calculs. Il a dit que des gens ont fait le calcul que Matthieu
contient 92 références aux Écritures de l'Ancien Testament. Le livre des Hébreux, 102. Mais lui-même a compté 285 références des Écritures de l'Ancien Testament dans le livre de l'Apocalypse. Et à ce moment-là, dans les années 1800, il y a eu un grand réveil avec la Bible, parce qu'il y avait deux juifs croyants, Salkinson et Ginsberg, qui ont traduit la Bible, le Nouveau Testament, et ils ont fait imprimer 750 000 copies qu'ils ont distribuées dans la communauté juive. Donc, il y avait des pionniers aussi parmi le peuple juif qui ont commencé à immigrer dans le pays d'Israël et qui ont aidé à établir l'État d'Israël en 1948. Donc on voit que autant les juifs que les gentils, comme Bollinger qu'on a vu, ont entendu le bat kol, qui est la façon des juifs d'appeler la voix de Dieu, et qui cela a causé un grand réveil, et nous souhaitons qu'il y en ait un aujourd'hui encore. Amen. Maintenant, on va aller voir au verset 8, comment le Seigneur se décrit lui-même. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Mais qui parle ici? Dieu le Père ou le Messie? C'est difficile à voir exactement, mais quelques verses plus loin, verset 11, c'est écrit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Encore ici, on ne sait pas si c'est Dieu ou le Père, hein? Jusqu'à ce qu'on arrive au verset 17 et 18. Et là, c'est clairement Jésus qui dit « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ici, on voit la triunité ou la trinité est vraiment une seule unité. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. C'est une description très bien, très connue dans les Écritures au sujet de Dieu Tout-Puissant. Et donc, n'importe qui lit ça n'a aucun problème de voir la divinité du Messie si on regarde comme il faut avec, bien sûr, le cœur ouvert. Donc, on voit cette idée de l'exclusivité de Dieu qui est le premier et le dernier et partout dans les Écritures, mais surtout dans Ésaïe. Ésaïe 41:4. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Ésaïe 44:6. Je suis le premier et le dernier. Or, moi, il n'y a pas de Dieu. Et écoutez bien ce dernier texte qui scelle la description ensemble. C'est moi qui suis l'Éternel, et or, moi, il n'y a pas de sauveur. Alors, voyez-vous, il n'y a pas de sauveur. À propos, à part lui. Donc, c'est si le Seigneur est le premier et le dernier, qui n'a pas de sauveur à côté de lui? Donc, qui est Jésus là-dedans? Jean a trouvé une solution très facile à ce mystère quand il dit que Jésus nous a lavés de nos péchés dans son propre sang. Apocalypse 1:5. Et c'est pourquoi Jésus peut être le premier et le dernier, parce qu'il est lui-même divin. Donc tout ça nous montre la nature de Jésus et de Dieu et de Saint-Esprit qui sont un dans toutes les Écritures. Le verset 8 dans la tradition juive fait référence à de Aleph et le Tav, qui est l'équivalent dans grec alpha et l'oméga, aleph la première lettre de l'hébreu et tav la dernière lettre. Donc ils ont lié le verset 8 avec le mot vérité, emet. Et ils disent que le aleph parle de la, il commence au début de l'alphabet.
Aleph est au début de l'alphabet, la lettre Mem est en plein milieu, et le Tav est à la dernière lettre de l'alphabet pour indiquer que je suis le premier et je suis le dernier. Donc, c'est une façon, le Emet qui vient du mot qui veut dire vérité, c'est une façon de désigner Dieu comme étant le début, le milieu et la fin, ou comme on dit, celui qui était, qui est et qui vient. C'est ça qu'on disait, c'est que dans l'alphabet, voyez-vous, à la fin, dans la dernière lettre au début, l'ancienne façon d'écrire le Tav était comme une croix. Comme dans le temps d'Ézéchiel, c'était une marque de salut. Avant la description du premier temple, Dieu a demandé à ses anges dans Ézéchiel 9:4 de passer au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et de faire une marque sur le front des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Donc, on voit, quand les gens sont scellés, il y a quelque chose d'important à regarder ici. De la même façon, lorsqu'on a déjà fait le dessin, lorsqu'on fait le sang sur les linteaux et sur le haut de la porte, et qu'on met ça ensemble, ça fait comme le dessin d'une croix. Et d'autres personnes qui seront scellées aussi, c'est les 144 000 qui seront scellées. On dit aussi plus loin le mot dans les versets 6 et 7, et en tout il apparaît 10 fois dans le livre de l'Apocalypse, c'est le mot « il est l'Amen ». Le mot « émet » vient du mot « Amen », qui veut dire « le confirmer, de tenir, de croire ». Et dans Apocalypse 3:14, il est dit « il est l'Amen ». Le fidèle et le témoin véritable. Parce que Dieu est le même aujourd'hui, hier et pour toute l'éternité. Et c'est la plus grande, meilleure fondation que vous pouvez avoir. Amen. Pour conclure, nous allons voir comment Jean décrit Dieu le Père, le Saint-Esprit et le Messie, tous étant de la même nature. Dieu le Père et le Messie sont l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, montrant par là leur égalité et qui sont en même temps un et le même. Paul a dit dans 1 Timothée 3:16 « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Michée a dit, chapitre 5, que le Messie, dont l'origine remonte au jour de l'éternité. Donc, c'est comme ça qu'on voit que Dieu, il est devenu un homme, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre, mais le célèbre John Wesley a dit, pour expliquer qu'on ne comprend pas tout, il a dit, « Amène-moi un ver de terre qui peut comprendre ce qu'est l'humanité, et je vais te montrer un homme qui peut comprendre la Trinité de Dieu, ou comment Dieu peut être trois en un. » Et il y a une certaine arrogance de rejeter la Trinité parce qu'on ne peut pas comprendre, parce que ça voudrait dire qu'on devrait être assez intelligent pour comprendre ça, alors que c'est un mystère qu'on ne peut pas saisir par notre petite tête. J'aimerais parler de l'historien Joseph, qui a écrit un livre contre Appion. Appion disait que tout ce qui est juif devrait être enlevé des Écritures. Il était un antisémite avoué. Joseph, l'historien, a dit, pour sa défense, le premier commandement se concerne Dieu et affirme que Dieu remplit toutes choses et qui est celui qui amène la paix parfaite et qui soutient toutes les autres êtres. Et c'est lui qui est le début, le milieu et la fin de toutes choses.
prions ensemble. Seigneur, ce matin, notre cœur a été rempli de tant de belles choses que tu nous as apprises ce matin. Aide-nous à garder ces trésors dans notre cœur, afin de se rappeler que ce sont tes mots pour nous bénir, et d'une façon qu'aucun document écrit ne peut nous apporter, parce que c'est ton esprit lui-même qui nous l'a écrit, qui nous l'amène. Seigneur, nous prions que cet amour nous amènera à partager avec les autres alentour de nous. Nous prions pour ce zèle et cette passion, que tu la fasses tomber sur nous afin que nous soyons vraiment des témoins pour toi. Seigneur, laisse-nous, aide-nous à laisser ton esprit nous guider dans chacun des jours de notre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu garde et vous donne sa paix. Amen et Amen.